Rappelez-vous, nous sommes le 1er février 1954 et l'abbé Pierre lance un appel au secours pour tous ceux qui vivent dans le froid glacial de cet hiver-là. Aujourd'hui, avec ce podcast, nous découvrons un autre appel de l'abbé Pierre. Et plus qu'un appel, un cri, une sainte colère, pour nous engager. Vraiment. L'humanité est la même partout. Mais dans les peuples pauvres, il y a une convergence des énergies vers un objectif qui est se délivrer de la misère, comprenez ? Même si ce n'est pas vertueux, une espèce d'instinct le fait. Alors que dans les pays riches, il n'y a plus ça. Et s'il n'y a pas une compréhension désormais pleinement raisonnée, pleinement volontaire, délibérée pour retourner sa liberté vers le service d'amour des plus petits, des plus faibles, alors c'est pour les pays riches le désespoir, la stupidité, le gaspillage des énergies. Et c'est ce qu'on peut appeler le malheur des heureux, qui d'une certaine manière sont plus malheureux que les miséreux. Parce que les miséreux ont un but, c'est de sortir de la misère. Et les heureux n'ont plus de but. Et alors, il n'y a que deux chemins pour guérir le malheur des heureux. Cet anéantissement du parvenu qui n'a plus rien à désirer. Il n'y a que deux chemins et qui se rejoignent, qui tous les deux sont le chemin de l'amour. C'est de perpétuellement regarder le plus faible, le plus petit, pour respectueusement l'aider à monter, comme une maman qui trouve toute sa raison d'être à aider le petit à monter. Et deuxièmement, et ça c'est très très grave, cette autre forme d'amour infini qui est la contemplation. Pour l'homme libre, l'homme heureux, il n'a que deux chemins pour ne pas tomber dans l'anéantissement. C'est la charité, amour du prochain, servant les faibles, et la charité, adoration contemplative de la perfection, de l'amour infini, éternel en Dieu. Les deux sont inséparables. Et chacun conduit à l'autre. C'est que la méditation de l'amour de Dieu conduit au service de ceux qui souffrent. Et l'expérience du service de ceux qui souffrent conduit à cette contemplation intérieure. Les deux sont indispensables l'un à l'autre. J'avais une formule, je disais la piété, c'est-à-dire l'adoration. La piété sans la pitié pour ceux qui souffrent n'est qu'une illusion. Mais la pitié sans la piété, c'est trop difficile. Les colères de l'abbé Pierre, un podcast réalisé en partenariat avec Emmaüs International. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast habituelle.